L'accident a eu lieu le 10 février 2023 et les proches de personnes impliquées ne décollèrent pas. Il faut dire que l'affaire est particulièrement médiatisée à cause du statut de célébrité du conducteur en faute, et qu'il est donc difficile pour les proches de victimes de ne pas voir sans cesse leur douleur renvoyée vers eux. Lorsqu'il a pris la voiture avec deux jeunes escortes alors qu'il avait consommé une importante quantité de cocaïne, Pierre Palmade ne se doutait pas qu'il allait détruire la vie de plusieurs personnes. Dans la voiture qu'il a percutée, une mère de famille enceinte de 7 mois et qui a perdu son bébé, un jeune garçon de 6 ans en réanimation qui a dû subir plusieurs opérations, et un père de famille de 38 ans, lui aussi en réanimation. Les journalistes de Closer ont rencontré un proche du père de famille, qui travaille dans un restaurant du Mets-sur-Seine, juste à côté de Melun, et qui a exprimé toute la colère et la frustration qu'il ressent après l'accident de voiture. Selon lui, le fait que Pierre Palmade soit un humoriste célèbre ne doit rien changer au traitement de la justice qui doit s'appliquer à lui. Peu importe que ce soit Pierre Palmade et qu'il soit connu, on veut juste qu'il soit jugé comme tout le monde. Qu'il soit condamné à une peine exemplaire et qu'il aille en prison. Cet homme a brisé une famille entière et en est le seul responsable. Il doit en payer les conséquences. À découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros? Photo: Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison pour le moment et depuis le 15 février, après que son état se soit amélioré, Pierre Palmade est toujours à l'hôpital mais il a été placé en garde à vue. Il sera bientôt interrogé par les enquêteurs sur les circonstances de l'accident. Bien qu'il n'ait pas encore fait de déclaration publique à propos du drame, sa sœur a expliqué le 14 février dernier que le comédien est catastrophé et qu'il a honte mais qu'il est prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 17 février 2023 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag.